Giacomo Casarini, félicitations pour la victoire ce soir, 7-3. Mais on n'a pas l'impression que finalement ça a été aussi déséquilibré entre les deux équipes. Bah écoute, nous on a fait notre jeu, on devait prendre ses points, surtout on joue à la maison et ça c'est des points qu'on ne doit pas louper. Et à la fin de compte, au début, le premier quart-temps, il était pas. Ils sont mis quand même la pression parce que c'est une équipe qui a l'énergie. Après, on a commencé à tourner, faire les choses correctement et simples. Et à la fin, on a marqué des goals et on a pris les points à la maison. L'impression qu'on a eu de l'extérieur, c'est que c'est ce deuxième but qui a été annulé pour Sierre, qui finalement a donné des émotions. Et puis c'est là que le match a tourné, vous avez pris le public avec vous, puis ça a beaucoup mieux été. Non, c'est clair, à la fin de compte, le public, c'est vraiment magnifique. Ils sont là-bas, ils sont toujours ici, ils nous donnent un coup de main, même un gros coup de main. Et nous, à la fin de compte, on essaie de faire notre mieux pour satisfaire déjà nous et tout le monde pour la suite et prendre les points. Ça, c'est important d'essayer de faire plus de points possible tout de suite. Comme ça, c'est avantageux et après, on ne doit pas faire de hockey de rattrapage. Merci beaucoup, Giacomo, et bonne chance mardi à Bâle. Hein.